Salut les amis, avant de commencer abonnez-vous à ma chaîne, surtout n'oubliez pas de liker et de commenter la vidéo. Cet jet privé les plus chers et luxueux des footballeurs célèbres. Numéro 7. Neymar et son jet de 15 millions. Le footballeur le plus cher du monde, qui possède également son propre hélicoptère, possède cet ensemble d'ailes qui fait l'envie de beaucoup. Comme le joueur lui-même, cet avion rapide peut couvrir jusqu'à 531 par heure, et il peut également accumuler 2900 milles marins en une seule fois. Dispose de suffisamment d'espace pour accueillir jusqu'à 9 personnes, mais la fonctionnalité la plus intéressante du jet réside dans son système de vision de vol amélioré, doté d'une caméra infrarouge. Numéro 6. Wayne Rooney et son jet de 20 millions. Basé à Genève, Wayne peut faire appel à cet avion de luxe quand il le souhaite et c'est vraiment une œuvre d'article à 66 pieds de long et 24 pieds de hauteur, il se démarque vraiment de la foule. L'ancien attaquant d'Everton, Wayne Rooney, voyage dans son propre jet privé, un Dassault Falcon 900 et Helix. Le prix de l'avion a été estimé à 20 millions de dollars. Et l'avion a une capacité de 6 passagers et consomme moins de carburant en raison de son moteur révolutionnaire. Il peut parcourir jusqu'à 4750 km avec une vitesse maximale de 350 à 370 km. Numéro 5. Paul Pogba et son jet de 23 millions. La superstar française s'habille comme une mégastar et voyage comme une pop star. Il choisit ce Gulfstream G280 super stylé qui incarne la classe, le style et la fraîcheur. Il galope dans les airs à 559 milles à l'heure, mais ne peut couvrir que 3600 milles marins. Pogba peut également faire venir un entourage pour ses vols court-courriers, la cabine du G280 pouvant accueillir 10 passagers, et l'intérieur est un autre spectacle, avec des sièges en cuir blanc offrant le confort ultime. Il a même son propre lit pour pouvoir se reposer et récupérer en volume. Numéro 4. David Beckham et son jet de 24 millions. David Beckham se retire du football mais gagne tout de même beaucoup d'argent grâce aux ententes qu'il a signées entre autres choses. Selon des sources de football, Beckham est propriétaire d'un jet privé, un Bombardier Challenger 350, dans lequel il voyage avec sa famille et ses amis. Le coût de l'avion est 24,5 millions de dollars, sur le marché. Le Bombardier peut transporter 8 passagers sur une distance plus de 3200 milles marins et atteindre une vitesse maximale de vol de 528 milles à l'heure. Numéro 3. Zlatan Ibrahimovic et son jet de 25 millions. Zlatan Ibrahimovic a signé l'un des contrats les plus coûteux après David Beckham dans la Ligue MLS. Ce grand joueur aime aussi les gros avions, celui-ci a une envergure de 65 pieds, et c'est l'un des plus grands de cette liste. À l'intérieur, il est tout aussi impressionnant avec ses sièges en cuir confortable permettant à Zlatan de se détendre, et de se détendre en plein air. Atteignant une vitesse croisière de 100 km par heure, il est spacieux et peut accueillir 12 passagers. À une valeur de 25 millions de dollars. Numéro 2. Lionel Messi est son jet de 27 millions. Léo adore piloter dans le confort exquis de l'André Legassi 650, dont le prix est élevé. Une version plus longue du Legacy 600, ce jet peut rassembler 3900 milles marins en une seule séance. Il peut également transporter une quantité impressionnante de 1134 kg en un seul voyage, ce qui laisse beaucoup de place pour les bagages. L'avion peut atteindre sa vitesse maximale de 834 km par heure. Selon des sources, l'avion de Messi possède un coût de 27 millions de dollars. Numéro 1. Cristiano Ronaldo et son jet de 30 millions.
Cristiano Ronaldo, bien connu comme le joueur de football le plus riche au monde, a acheté un jet, le Gulfstream G650. L'avion a été mis en service par Gulfstream Aerospace, son avion à réaction est un avion bimoteur et la valeur de ceci est de 30 millions de dollars. L'avion peut voler dans une plage de 12 960 km avec une vitesse maximale de 982 km par heure, c'est le jet le plus rapide de la liste. C'est le plus gros et le plus méchant jet privé du marché, et il appartient naturellement à Cristiano, qui a même personnalisé son jet.